بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون مما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته فأنزل القرآن على قلبه وحيًا منزلًا ليكون هداية ورحمة للمؤمنين وليكون منهاج حياة قويم يسترشدون بأمره وهداه ويقفون عند حدوده ونواهيه ويستنبطون من آياته أحكام شريعتهم ومنهاج حياتهم ونظام أمورهم فيأخذون منه عقيدتهم وإيمانهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وآدابهم حيث أن الله تعالى بين أيضا في القرآن أن القرآن ليس وحده مصدر التشريع للأحكام بل هناك وحي آخر معه يلي القرآن في الهداية والإرشاد والتشريع للأحكام وبيان جميع شرائع الإسلام إنها أيها الإخوة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أقرها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة ولهذا لا بد من الاحتكام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معها طاعة واتباعا ومحبة وإيمانا Chers frères et sœurs en islam, vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le gratifiant de la prophétie et qu'il l'a distingué en lui confiant son message. Il a donc fait descendre sur lui son livre, le noble Coran, dans lequel il lui a ordonné, entre autres commandements, de l'expliquer aux gens. Ainsi a-t-il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim » Ce qui signifie « Et nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. » Sourate les Abeilles, verset 44. Donc, parmi les rôles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'expliquer le Coran, ses mots, ses phrases ou ses versets, que la communauté a besoin de comprendre. Ce qui a lieu le plus souvent avec les versets à signification sommaire et générale, que la sunna se charge respectivement d'expliciter, de spécifier et de restreindre. Et ces trois opérations, chers frères et sœurs en islam, se font par le biais de la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de sa pratique et de son approbation. À la lumière de ce qui précède, on ne peut, en tant que musulman, que déduire qu'Allah a voulu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant 23 ans, et pour rôle non seulement de transmettre le texte du Coran, mais également de détailler par ses paroles et ses actes, alayhi salatu wassalam, les enseignements du Coran. Toujours en tant que musulman, on ne peut que penser aussi
que dès lors qu'Allah a voulu que le Coran parvienne dans son authenticité jusqu'à nous, il a également voulu que ses paroles et actes du prophète alayhi salatu wassalam parviennent aussi à nous dans son authenticité. Serviteur d'Allah, sachez que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam représente la seconde source en matière de législation islamique pour le musulman. Le Coran nous parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un messager qui enseigne aux hommes le livre et la sagesse, al-kitab wal-hikmah. Le livre est bien sûr le Coran que le prophète a retransmis aux hommes, et la sagesse désigne ici la sunna. Comme en témoigne ce verset dans la sourate 33, verset 34, « وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتُكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ » Et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons de versets d'Allah et de la sagesse. La sunna définit le champ d'application des lois coraniques en déterminant les conditions pour leur applicabilité et les exceptions dans leur application. Par exemple, le verset dans lequel Allah nous dit « Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma » Le voleur et la voleuse à tous deux découper la main. En effet, le terme as-sariq a, tout comme le terme al-yad, une portée générale. Dans le premier cas, c'est la sunna orale du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venue clarifier cette portée en la restreignant au voleur qui dérobe le quart d'un dinar. Le prophète dit à ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, « La qata'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan » La main n'est coupée que pour le vol d'un quart de dinar et plus. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. C'est également la sunna par le biais de la pratique et de l'approbation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de la pratique des compagnons, ridwanullah alayhim, qui a explicité celle du second terme, al-yad, puisque ces derniers avaient en effet pour usage de couper la main du voleur au niveau du poignet. La sunna également détaille les enseignements du Coran qui demeurent, eux, souvent d'ordre général. La plupart des commandements coraniques n'ont été révélés que dans leurs grandes lignes. Les détails nécessaires de leur mise en application sont à chercher en dehors du Coran, c'est-à-dire dans la sunna. L'exemple le plus frappant est celui de l'obligation la plus évidente et la plus fréquente dans la vie du musulman, c'est-à-dire la prière. En parcourant et en lisant les 600 pages du Coran, on ne saura jamais comment faire la prière. Parce que Allah nous dit dans le Coran, Aqimus Salat, accomplissez la prière. Maintenant, la description de la prière a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. C'est lui qui nous dit qu'il y a 5 prières quotidiennes, Al-Fajr, Al-Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. C'est lui qui nous dit dans sa sunna que Al-Fajr c'est 2 rak'a, etc. La sunna nous permet également de comprendre le sens de certains versets du Coran, surtout les versets d'ordre général. En voici quelques exemples. Allah nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 82, « Alladhina amanu wa lam yalbithu imanuhum bi dhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Ce qui signifie « ceux qui ont cru et n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice, un volme. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. » Il s'avère que les compagnons comprirent un volme au sens général du terme, qui englobe
tous les types d'injustice, fussent-elles mineures. Ainsi dirent au prophète, c'est-à-dire les compagnons, ils dirent au prophète, « Ya Rasulallah, ayyuna lam yadhlim nafsa ?» Ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, il ne s'agit pas de cela, mais uniquement du shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. N'avez-vous donc pas entendu la parole de Luqman, « Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirk la dhulmun azim »« Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'associationnisme est vraiment une énorme injustice, un dhulm » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset par un autre verset. Serait été cette explication, les compagnons n'auraient jamais connaître le sens de ce verset. Verset 2. Allah dit Hurrimat alaykum al-mayta wa dam dans la sourate Al-Ma'ida, verset 3. Ce qui signifie vous sont interdits la bête trouvée morte et le sang. Dans ce cas, la Sunna a mis en évidence le statut licite lié à la consommation du criquet et du poisson retrouvé mort. Et en ce qui concerne le sang, de celle du foie et de la rate. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a amené cette exception pour nous dire que ce n'est pas toute bête morte qui est illicite. Et il cite en exception le poisson. Parce que le poisson, on le pêche en étant une bête morte. Donc, qu'est-ce qui nous permet de rendre licite le poisson? C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on se réfère seulement à ce verset, sans recourir à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait rendre illicite le poisson. Il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, deux bêtes mortes et deux sangs nous ont été rendus licites. Le criquet et le poisson, ainsi que le foie et la rate. Dernier verset, Allah dit, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ لَتِي أَخْرَجِ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ رِزْقِ dans la sourate A'raf, verset 32. Dit, qui a interdit la parure qu'Allah a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Là encore, la sunna a mis en évidence que tout n'est pas permis en termes de parure. Vous le comprenez bien? Il est en effet avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour au devant de ses compagnons avec de la soie dans une main et de l'or dans l'autre. Et il leur dit, ces deux choses sont illicites, bien qu'étant des parures, mais elles sont illicites pour les hommes de ma communauté et autorisées pour leurs femmes. Bien d'autres exemples connus des spécialistes du hadith et de la jurisprudence existent à ce niveau. Et ce qui précède nous met clairement en évidence l'importance de la sunna dans la législation islamique. Cependant, j'ai bien dit cependant, sachez qu'il y a certaines personnes dans cette communauté qui disent se suffire de la référence coranique et que la référence au hadith n'est non seulement pas nécessaire, mais est même novice dans la mesure où on donne au prophète la même place qu'à Allah. En termes de législation, actuellement, il existe au Sénégal une secte qui se font appeler Al-Qur'aniyoun. Maintenant, ils commencent à faire des débats dans les plateaux de télé. Ils commencent à propager leurs idéologies. Et cette secte, chers frères et sœurs en la foi, leur démarche consiste à interpréter le Coran sur la seule base des passions et de la raison, al-aql wal-hawa, sans recourir pour cela à la sunna authentique. Vous avez vu quelqu'un dans cette semaine, il a dit que la prière de Dhuhr, c'est 2 rakas au lieu de 4 rakas. Il a osé dire ça à la télé. On serait presque tenté d'affirmer
que c'est à cette tendance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion. Lorsqu'il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yushiku ahadukum an yukadhibani wa huwa muttaki'un ala arikati yuhaddathu bihadithi fayaqul baynana wa baynakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalna وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ce qui signifie que je ne trouve personne qui allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part répond en disant nous suivons ce que nous trouvons que dans le livre d'Allah ce que nous y trouvons d'illicite nous le déclarons illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'on sache que j'ai reçu le Coran, que l'on sache que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec, c'est-à-dire sa sunna, ses enseignements. Ce que le messager d'Allah déclare illicite est identique à ce que Allah déclare illicite. Ce hadith authentique, chers frères, prouve donc de façon catégorique que la législation islamique n'est pas composée du Coran seulement, mais bien du Coran et de la Sunna. Bien sûr, du Coran et de la Sunna. Dès lors, quiconque affirme se fonder sur l'une de ces deux sources ne se fonde en fait sur aucune d'elles. Ils se font appeler Coraniyun, les Coranistes, mais en effet, ce n'est pas des coranistes. Parce que celui qui croit au Coran croit en même temps à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le Coran qui nous dit de se référer aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans la surat les femmes, verset 80. « Ma yut'i rasoula, faqad ata' Allah. » Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Allah nous dit dans la surat, l'équaliser verset 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il nous dit dans la sourate Al-Hashr verset 7 وَمَا مَا مِنْ أَلْفَاذِ الْعُمُومِ وَمَا آتَاكُمُ رَسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Prenez ce que le messager vous apporte. Quant à ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah dit aussi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, obéissez à ce que dit Allah, et obéissez à ce que disent les messagers, et à ce que disent les détenteurs de l'autorité parmi vous. Si lors, il y a une exception, si lors vous divergez au sujet de quelque chose, faites référence de cette chose auprès d'Allah et de son messager. Et de son messager. Ibn Abbas, c'est lui qui disait, le fait de se référer à Allah, c'est de se référer au Coran. Et le fait de se référer au prophète, c'est de se référer à sa sunna. Il s'agit bien de deux sources, la parole d'Allah et celle du prophète. Un jour, une femme se présenta à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, est-ce bien toi qui affirmes qu'Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile et celle qui se tatoue? Ce à quoi il répondit, effectivement. Et la femme de reprendre, j'ai lu le livre d'Allah d'un bout à l'autre et je n'ai pas trouvé ce que tu affirmes là. Ibn Mas'ud lui dit alors, tu l'aurais pourtant trouvé si tu l'avais réellement lu. N'es-tu pas tombé sur ce propos
prenez ce que le messager vous apporte. Et la femme de dire, bien sûr. Suite à quoi Ibn Mas'ud lui dit, eh bien, sache que j'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile. Avant de conclure, chers frères et sœurs en la foi, il me paraît évident de rappeler que la sunna qui possède cette importance dans la législation islamique est uniquement celle qui a été vérifiée par des méthodes d'investigation scientifique et sur la base de chaînes de transmission fiables et authentiques connues des spécialistes du hadith. Si tout le Coran est authentique, il n'en va cependant pas de même de l'ensemble des propos, actions et approbations attribuées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths, il s'y trouve de l'authentique, as-sahih, du carrément inventé, du maudou, et du rapporté par une chaîne de mauvaise qualité, ad-da'if. Il incombe donc aux gens de science, et cela vaut surtout pour ceux qui propagent et diffusent leur savoir et leurs avis juridiques, les fatawas, de ne tenir compte d'un hadith qu'après s'être assuré que celui-ci est avéré, que celui-ci est authentique. Car les ouvrages de jurisprudence auxquels ils se réfèrent sont remplis de hadiths faibles et rejetés ou sans fondement aucun. Qu'Allah nous mène dans le droit chemin et qu'il nous préserve de l'égarement. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bokku julit yi ganna bañ denké sunu bop di len denk ragal Yalla ci def limi santane bay limi téré. Ñun ñëpp dañoo xamano né Yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala mo tan yonent Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam jox ko alquran waye nak neko nang ko leral jox ko alquran le mu nek ben livre bu wacc comme ni yenen livre yi dan wacce tawrat injil waye alquran dafa wacc durant toute la vie du prophète sallallahu alaihi wasallam wala durant sa prophétie bam déggé iqra ba kérok muy dégg wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah muy 23 ans da don léral alquran benen wacc ci mom loolu la amone comme rôle parce que sunu borom daf ko ko wax da ko né wa nazzalna ilayka dhikra litubayna lin-nas ma nuzila ilayhi dama waccé ci yow fatali bi di alquran ngir nga léralal nit ñi limu waccé ci ñom léral gogu nak dafa daan am ci ñett anam ci waxam ci jëfëm ak ci lum saxal moy parole acte approbation nolo daan léralé alquran bu yalla waxé dara lu teunku mu léral ko ni ni lako yalla bëggé bu nit déggé lu yalla wax mu am lum ci def bu dé depp nak diiné mu saxal ko bu depp wol ak l'islam mu dakk ko sahaba yi tamit daan ko gis muy jëf ñu toxal ko ni ni la daan jëfé nam daan julli nam daan woré ñaari mbir yoy kon moy source ci diiné manam lepp loy jël ci diiné ñaari tanku kay nga am imma ci waxu yalla muy alquran wala ci njangalé yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam julit ñaari rotu way rek la am amul benen lula way wax ci diiné ne ko foko wer ci waxu yalla mo ne la aya baangi ni buñ ko fekkul ci alquran nga ne foko wer ci sunna mo ne la njangalé baangi ni buñ ko fekkul du diiné loolu la yalla wax ci alquran sunu borom dafa ni huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma dafa ñew ngir jangalé alquran ak likoy firi té moy sunnam nga xamné lolu xéréñ la xam xam la bu sahaba yi gël ci mom jotali ko bam atti ci ñom sun borom tuddé ko hikma moy xam xam gu téggé ci place am lum def rek
ñune gongo mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lol moy al hikma moy wad'u kulli shay'in ala mahalli yonentibi lum wax nonu la lumu jëf nonu la lumu saxal nonu la al qur'an sunna dafa ñew ñom ñaar ñu doon ñaari tanku kon wala nga ne ñaari laaf yu ab julli dinaawé ngir diine mëna équilibré benn du dem bayyi moromam nak sunna dafa ñew di firi yenn loi yi nga xamné ay loi pénale la par exemple bokku na ci sunu borom dafa wax ci suratul maida mu ne satchu bu goor ak bu jigen bo leen jappé na ngeen dag sen loxo fa la yam waye sunna mo ñew léral fal la valeur bi wara ag ñu doora dag loxo ndax buñu rafé rew ci ay bi rek kon ku satchu soccu sax ñu dag loxo dedet du nonu yonentib mo ñew ne satchu biñu dag loxom moy lamu satchu fo mu nek le quart de dinar ben dinar kar bi rubu dinar wala luko upp koku sunna ci ngay meuna refere wa yalla dafa ne rek ku satch baye ñew nak rasulullah mu leralal ñuko sallallahu alayhi wasallam benen bi yalla mu ne na ngeen dag loxom ku satch dag lay loxom wa fuñu dag ci pokatan lañuy dag wala ci khasab bi wala ci tenk gi koku sunna mo ñew leral ne ci tenk bi lañ wara dag ko loi pénale sax seeni application ki ko leral moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaamu yalla yi ci bi ci gëna fess moy julli sun borom dafa ne rek julli len aqimus salata accomplissez la prière wa legi julli ñaata waxtu la waxtu yi bu ci nek ñaata rak la rak ga fa lay tambalé fu muy jéxé bo tambalé la nga wara jang est ce mu ngi ci alcorane dedet faw nga delu ci sunna yoni yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci nga koy fekk julli ak sen nafila yep nañ koy defé yonenti moko pratiquer ay yoy mu moko pratiquer sahaba yi gis ko jotali ko bam aksi ci ñun salawatullahi wa salam alayhi wa ridwanullahi an sahabatihi ajma'in sunna moy tax ñu mëna comprendre lélé yenn verset yi nga xamné ay verset la yo xamné dañoo teunku dañoo général wala baat yi ci ñew mu nek ay bat ay equivoque ñu ko féré ñu nek sunna ci ngay delu fu mu leer ci yow sun borom dafa wax ci suratul an'am mu ne ñi nga xamne ñoo gëm yalla te seen gëm boole ñu ci togn ñoñu ñoo am sécurité fi ci adina ak al-akhirah te ñoñu yit ñoo juk ñi gëm te boole ñu ci seen gëm yalla togn sahabay ay arab lañ bañ déggé ay bi ñu firé baatu togn comme niko arab bi di déggé moy togn ha ñu am jakkare nak dem ci yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam ni yalla waxon né yaay léral alquran sahabay loolu lañ xam ñu dem ci mom lérlu alquran sahabay auto proclamé wu ñu né ñun ay grammairier lé ay grammairier lañ ay en arab wala alquran ci sunu lak la wacc dañ ko dégg ay philosophe lañ dédét dañoo amone yaru luñ déggul dem ci yonenti bi mu léral len ko sallallahu alayhi wasallam ba ñé ci yonenti bi ne ko ah yalla day dafa wax fi ku gëm yalla té bolé ci togn koko jup té mo am sécurité té ñun lélé dañuy togn yonenti bi ne len dédét bokul togn bi ngeen japp la yalla nam fi li yalla jublu fi ci togn moy bokalé yalla ñi gëm yalla té duñ ko bokalé kenn ñoño am sécurité té ñoño gindé ko mu ne xana delu wo len ci saru luqman bamuy war dom je mom luqman la la ko wax da ko ne yow sama ndom ya bunayya dom sama bul bokale yalla ndax bokale togn la bari na ay exemple khutba gi du permettre ñuy andi ay ay yu bari ñaarel bi ci ay yo ñu tannon moy li yalla wax de aramal na ci yeen med ak deret Surat la table servie verset 3 surat 5 verset 3 lolou yalla wax dafa ne khurimat alaykumul mayta wa dam med aramna deret aramna ay bi bo ci sukkandiko kon day aram ci ab julit mu lek jeun ndax jeun dañ koy mal muy lap lapi ba fatu kon medina am dit sunna moy ñew nak nal la medum geej bokku ci motax nga am sañ sañ lek jeen ne la res donte sang la
res foi ak gaddam dagan na ci sama xet kok sunna mo la koy leralal budé medd mu né la jeun ak soccet dagan na lek sen medd yalla sun borom waxat né parure zinatullah allati akhraj li ibadihi moy takayek li ngay sol yalla mo né lepp la daganal samay jam yonenti bi né dedet yalla amna lum ci genné mu né soa ak or daganul ci goru julit mu koy tak waye dagan na ci jigen kon yi ay exemple la rek pour le lay wonné la alcorane lek sukkandiku ci dedet kok mënu nek motax nak ñu andi khutba bi lutax fan yi dafa am ben kurel bo xam dañu xaptalu bari ñu won nak fi Sénégal ñi ngi won ci yeneen rew julit ni waye commencé nañ lélé di génn ben par ben xawma lam mo nek gannaaw ci gannaaw ndax ngeen bayyi xel né lobby yi nga xamné ño bañ l'islam danañ utiliser les non musulmans pour xex diiné mais lélé dañuy utiliser sax les musulmans pour xex l'islam xex l'islam ci bir l'islam lélé groupuscule yoy lañuy jël nga xam dañu am ay idéologie yu erroné lélé dina financer ak yenen ak yenen di len jox ay temps d'antenne yu ñu jëm ci ay télé ngir tassaré seen idéologie yoyu fan yi dañu koy wax ci ben émission buñ doon def Sénégal dafa di dëkk bo xamné ngeen bal ba ci cadre gi lu fi way tassaré am ay talibé parce que Sénégalais mo mëna consommer ba paré dafa ragal Sénégalais ci walu diiné gëm gëm da ngay dégg ñu naan la ah señ bi té nga maanu bul wéddi way bul di ngat motax lu way wax rek bo may tour dana am mbolo gisoon ngeen waje doon wote woni yalla ko yonni di julli ci pular amna yenen idéologie yu ñew ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa mettre en garde sa communauté ne que dana ñew ci gannaawam ay waxkatu lu dul deug ño xamne dañuy yok ci dinem ji mu joxe nak solution mu ne say bu mbir amé rek delu wal len ci alcorane ak sunna ngeen xam solution bi kon ñoo ñuy tuddé les coranistes ci tubab ci arab alquraniyun ñom amna ci ben way bo xamné ben télévision moko invité won fan yi ci ñom ñom seen idéologie moy lepp lu ñuy gëm ak lu ñuy def ci diiné alquran kessé moy seen référence wa duñu référé wu ci luddul alquran ma ngi déglu waji sa moy suivre émission bi kiko don interroger né ko ndax bëgg nga mo bolé la oustad diiw mu ne ko ragaluma waye na fexé rek ba lu may wax na référé wu ci alcorane kon dak na sunna lolo ko wax mais ñom alcorane bobu ñu référé sax mo la ñëk dajji oustaz bi mi wo né na référé wu ci alcorane rek bu ci référé wo sax mën na dajje do tek fele ay pass passam ndax alcorane ci bopam mo ñëk dajje pass pass bobu moy référé wu ci alcorane kessé sunu borom dafa wax ci suratul nisa mune ku top yonenti bi yalla la top ah lo leer budé sunna moy liñ jëlé ci yonenti bi yalla néna ku top yonenti bi yalla la top ñaarël bi sun borom tabaaraku wa ta'ala néna jaadawul ci ku gëm yalla mo xam goor nga wala jigen bu yalla ak yonentam atté kon yonenti bi kon amna prérogative wu atté idha qada Allahu wa rasuluhu bu yalla ak yonentam atté muy am lenen lu muy tan ko li yalla atté moy lim wax ci alquran yonenti bi atté moy liñ jëlé ci sunna sunu borom waxat né lu leen yonenti bi andil jël leen lum leen téré nak bayi leen té bokku na ci lim andi moy sunna sunu borom waxat né yeen ñi gëm yalla top leen yalla ak yonentam ak seeni borom xam xam yi nga xamné ñom ñoo nek ay borom xam xamu diiné ndax ñooñu ñom ñoo am obligation transmettre diine jangale ko moy serigne sek imam yi sum borom nak mu ne bo leen amé divergence bu leen delu ci waxuma sam ak waxuma dem ak serigne diw ak serigne diw dedet delu leen ci li yalla wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax ku xol ay bi niko yalla waxe dafa ne atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri waxul wa atiu ulil amri mo lay woni kon ñom amuñu obéissance absolue ñom serigne si ñom imam yi dañ leen di obéir selon
li yalla wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa am condition yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak mbok yi ngeen xamne kurel bobu xawona len junju ci ben hadith mo hadithu miqdam mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dana am ci yeen ño xamne dañuy teud sonu di woné ñooñu nu ñuy dalé xel ak nu ñuy arrogant wé suma leen waxé suñu leen nekkalé sama hadith ñu né ñom alquran dal doyna luñ fekk ci alquran mu dagan mom lañuy dagan daganal luñ fekk alquran aramal mom lañuy aramal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu né na ngeen xamni lu yalla aramal ak li yenen tibi aramal ño bokk yam ndax yalla jox na ma alquran ak lu melni mom abdullah ibn mas'ud amna ci ko xawona am idée bu melni ci jamono sahaba yi ben soxna dafa ñew ne ko yow abdullah ibn mas'ud yow ya wax ne yalla rebb na bepp jigen buy wat yenam mu ne ko waw mu ne ko gisuma ko ci alquran alquran waxuko mu ne ko alquran wax nako kagn da nga lire bu baax mu ne ko fum ko wax mu ne ko yalla ne lu len yonenti bi andil jeel len mu ne ko waw mu ne ko man ma deg ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yalla rebb na bepp jigen buy wat yenam bu leer motax mbokk yi fiñu danale moy ñaan suma borom gindi ñu yalla yalla gindi jaale lañu ci siratal mustaqim gis nga jamono ji ñu tollu mbokk yi jamono yi fitna la akhiru zaman la dafa am ay yakuti ci walu jikko moy turpitude mbon ñaalo ko tasaro waye dafa am yeneen yakuti yu gëna dangereux moy ay yakuti ci walu ideologie diine motax julit bi wara def nank bu baaxa baax tey muy seg limi jël ci diine da koy seg luñ ko wax ci diine mu vérifier ko ci alcorane sunna do ko consommer lu ko moy di nga sank lolu nak nga xamni moy hadith buñ ko waxe dafa am hadith yo xamni dañ ko sosol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ngay wara def nank ba bepp hadith boy pratiquer mu nek fa di hadith bo xamni dañ ko vérifier ba gis authenticité bi ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax amna ño xamne dañ dan sosal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam alquran mom rek mom mo jaati sen transmission yo xamne yu fiable waye hadith gannaaw gi dafa am ñuko don créer ay hadith ndax seni passion ak deugalal seni ideologie comme waji don jaay soble jarlewul mu jek jek rek mu ne yonenti bi neena soble ci ñamu aljana yi la bok soble ci yep geex ak ñuy def ay bida pour saxal sen bida yi ni yonenti mo waxon nangam motax lepp loy jël aussi ci hadith nang ko vérifier ci borom xam xamu hadith yi alhamdullilah sun borom tagal na ay goor yalla yo xamne ci xet bi ni nga spécialisé wo ci walu médecine ak ci walu mathématiques dañu dem jang spécialisé ci walu hadith ba bepp hadith buñ waxal yonenti bi mën nañ lako gennel carrément di bi wër na bi wëru ñu ngi ñaan sun borom tabarak wa taala sam xet bi jubal leen febar bi nga xamne mo wacc ci xet bi yalla ko borom bi yëkëti ñi ci faatu yalla sun borom yërem leen ñi mu dal yalla sun borom defal len wer di soñu sun bop di len gëna soñu ci respecter li autorité yi wax ci walu respect des mesures barrières rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وارض اللهم عن خلفائه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين